De la tournure générale, de la tendance générale de la cour, on s'y attendait. Mais en même temps, nous avions une petite lueur d'espoir compte tenu de ce que nous avons perçu comme fait et fond du dossier. Donc nous ne pouvons que prendre acte de la décision intervenue. Bonsoir. Mais quant au recours, nous aviserons. Merci. Sur le fond, d'abord, il faut au préalable souligner que c'est une satisfaction morale d'en finir et de finir définitivement avec cette histoire qui a commencé depuis un moment et on s'est battu du mieux qu'on pouvait pour démontrer au procureur spécial que ces arguments et procédures ne tenaient pas. Sur le fond, vous allez constater qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs. Mais à la CRIET, ils ont une procédure, ils ont leur démarche et ils ont inventé, ils ont retourné. Je n'ai jamais entendu parler d'infraction de proximité. Le professeur a été condamné tout simplement parce que le ministère public, le procureur spécial et ses substituts ont décidé qu'il est parent ou proche de M. Ouédano, qu'il l'a entendu, il n'a vu qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Il ne le connaît. Celui qui l'a orienté vers le professeur est décédé. Donc, ils n'ont jamais eu personnellement de contact. Mais sur la base de ça, le procureur spécial a argumenté et la condamnation repose sur uniquement les déclarations des accusés. C'est-à-dire, depuis le premier jour, jusqu'à la date de condamnation, aucun élément nouveau n'est apparu. Lors de l'instruction, aucune autre information particulière n'est venue concrétiser ou illustrer la culpabilité de Joël Aivo. Vous allez constater, ce qui est miraculeux, que ce monsieur Dotou Alain est acquitté, ce qui est une demi-victoire, mais c'est ce dernier qui était mis en avant, qui était placé comme l'élément ayant de lien supposé avec tous ceux qui gravitaient autour du professeur. Il a été acquitté. On va réfléchir, c'est tout frais, c'est tout chaud. On verra ce que le collectif va décider. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Le professeur et ses amis ont été arrêté. Le professeur a été arrêté le 15 avril. Alain Dotou, je pense, le même jour. Mais, ou le lendemain. Les supposés, il y a un infirmier militaire qui travaille au secrétariat en tout cas, de Kangezo, en tout cas, à l'hôpital Kangezo, et un ancien militaire qui aurait quitté l'armée il y a plus de 10 ans. Ce sont eux qui ont fomenté un coup pour escroquer un supposé pour escroquer Monsieur Huidan. Mais on a pu les arrêter à temps. Mais Gilbert Zinsou et Huidan, jusqu'à ce jour, sont dans la nature, on ne sait pas. À titre personnel, je peux penser que c'est un montage. On a envoyé ces deux individus dans le cercle du professeur Ivor pour pouvoir le cerner, pour maîtriser ses mouvements. Donc, on attend la suite, mais en tant que professionnel de droit, j'exerce en France, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se pratique le droit ici, qu'on peut condamner sur des déclarations. Je crois que je n'ai nullement envie de venir assister à des tragicomédies comme ça. Nous sommes un pays civilisé, un pays démocratique, et ça, c'est un bras armé pour éliminer tous les potentiels candidats pour les élections futures. Ça, j'en suis convaincu à 1000%. C'est-à-dire 10 ans de condamnation, c'est le temps pour finir le second mandat en cours et le temps pour choisir le dauphin. Comme ça, on l'aura mis à l'abri. Et vous allez constater qu'il y a une méchanceté. Il y a une méchanceté dans le cœur des Béninois qui pousse à l'extrême. On peut supposer que si vous êtes adversaire et que votre adversaire est tombé, que vous ayez quand même un regard humaniste. Vous avez vu les témoignages.
il y a des propres collègues du professeur, dont un certain José Léon, plus un responsable de décanat qui ont envoyé un courrier à la cour décrivant tout est le contraire de ce que le professeur Aïvo est. Heureusement que la défense a su réagir et a amené d'autres attestations de moralité à l'international pour faire taire ce qu'ils ont imaginé. Mais on peut comprendre que et le gouvernement, et la CRIET, et les collègues, et certains collègues de la fac de droit avaient l'ambition de voir disparaître le professeur Aïvo du paysage politique. Sauf que on ne cache jamais la lumière du soleil avec la main. Je ne vais pas faire un grand commentaire de cette question, je ne peux pas répondre, mais j'ose espérer que prochainement, les musulmans qui, après avoir commis des péchés, font des dons ou construisent des mosquées, ou les pasteurs qui reçoivent des dons de leurs fidèles, auront désormais la possibilité de vérifier si ces donateurs ou si ces constructeurs de mosquées sont à jour avec le fisc. C'est tout ce que je peux faire. Le verdict est tombé ce soir. Nous avons un collectif. Nous allons nous réunir pour apprécier et voir ce qui est possible. Personnellement, je ne peux pas vous dévoiler ce qu'on a prévu. Donc, il est bientôt 3h du matin. Donc, demain sera un nouveau jour et on verra ensemble. Reki Amadougou, si Joël Aïvo a eu 10 ans, je vous laisse estimer ce qu'on va lui coller le 10. Merci, maître. Merci.